Bonjour les amis. Bonjour. Donc cette fois-ci, on est sur la vidéo pour vous montrer les mobs très hostiles. Donc on va commencer par les moins hostiles. On va vous en remontrer certains, comme par exemple les serpents, vu qu'il y en a qui sont donc très hostiles, et on va un peu plus élaborer le sujet. Alors, évidemment, je tombe sur le passif qu'on n'a pas eu à la première vidéo. Sinon, c'est pas drôle. Dégage-moi le sujet. Voilà. Donc, comme on l'a déjà dit, les serpents qui sont passifs ne relèvent pas la tête quand on les approche. Donc, le game mode ne change rien, c'est-à-dire qu'on les approche et voilà. Par exemple, celui-là, il est hostile, serpent corail. Et quand je l'approche, il relève la tête et il fait mine de m'attaquer. Ils empoisonnent. Oh super, Cobra Royal, merveilleux. Donc ils nous empoisonnent. Et je sais plus combien de cœurs ils enlèvent. C'est un cœur ou deux, grand max. Mais bon, ça fait quand même mal. Surtout s'ils sont plusieurs, vu qu'ils popent toujours à au moins 5 au même endroit et la plupart du temps agressifs. Et je crois que j'ai le combo. Il manque le boa. Ah, je veux un boa, je veux un boa. Je vais y arriver. Bon, élimine-moi la plupart là. Je veux vous montrer le boa. C'est bon, la plupart, c'est pas tous. Le boa, non, je vais. Ouah, c'est un boa ça? Ah oui, c'est un boa. Le boa. Un petit boa, je crois. Très petit, vu qu'il comme beaucoup d'animaux du mode mot créature, ils grandissent au fur et à mesure. Voilà. Donc les serpents petits, c'était pour rajouter juste que les hostiles lèvent la tête et vous attaquent et vous empoisonnent et peuvent faire mal quand ils sont plusieurs. Alors, attendez, je vire les super œufs que j'ai gagnés, hein. Je fais la même de mon côté. Voilà. Ensuite, ah oui, alors on est en jour, donc ça va peut-être pas être. Non, mais très... il aurait fallu que tu les fasses pop en dessous, en fait. T'as mis de l'ombre. Bon, alors là, derrière le feu, en fait, nous avons ce qu'on. Les œufs s'appellent les horse mobs. Donc en gros, c'est tous les dérivés de chevaux qui. Oh fuck, c'est fait. Je les avais oubliés, eux. Bon, chiant, hein. Donc le cheval zombie. Mort-vivant. Ouais, zombie mort-vivant. Attends, t'as ramassé le cœur. Ah, tu voulais le cœur? Ah bah. Je voulais lui montrer. Deux secondes, je te montre le cœur. Ouais, t'en as même deux. C'est ce que je disais, hein, j'ai l'impression qu'ils mettent tout par deux hein, dans ce mode. Pas toujours, mais bon, voilà. La plupart. Là, la plupart. Tiens, je vais même dégager les slime balls que j'ai gagnés. Donc voilà, c'était le cheval zombie en gros. Et il vous donne ceci qui est. Son cœur. Et c'est très rare de l'avoir, hein, donc soyez heureux de le voir. En fait, ça servira pour après faire les Pégases, etc. Mais on en parlera beaucoup plus en détail dans les autres vidéos. Et donc pour le moment, là, c'était le cheval zombie. Merde, je me suis planté de 9. Là, on a le cheval squelette. Qui vous donne des os une fois tué. Garde ça. Encore un cheval squelette. Je vais pas avoir celui. Voilà, sans brûler le. Alors c'est assez gore parce qu'il laisse tomber des petits bouts de sa chair par terre, là, le vert. Là. Alors même si on verra plus en détail, pour information, le cheval zombie. Plus il perdra sa chair, plus il deviendra comme le cheval squelette. Mais pas au naturel. Hein. Naturel, de toute façon, une fois que le soleil se lève, il brûle. Donc oui, le cheval squelette donne des os et les chevaux zombies donnent des slimes qui donnent des slime balls. C'est merveilleux. À force, vous aurez trop de slime balls. Vous pourrez faire autant de pistons collants que vous voudrez. Sérieusement. Je vais pas y arriver hein. Ah si, ça y est. Et le Bat Horse, donc le cheval chauve-souris.
Voilà. Et dans le Nether, il y a aussi le cheval Nightmare, donc un cheval de lave, en gros. Ouais. Et je pense pas qu'on puisse l'avoir là. Non, pas ici. Ça m'étonnerait. Le Bat Horse donne un cœur des ténèbres, je pense. Ouais. Et du cuir. Et du cuir. Donc on fera un petit récapitulatif tout à la fin sur une vidéo de tout ce que les mobs donnent et tout ce que les animaux et les créatures donnent. Hein. Vous en faites pas. Pourquoi ? Ah oui, oui, si, c'est vrai. Alors, le sanglier, il a été bien amélioré au niveau de sa skin, texture. Ouais, de sa texture. C'est dur de dire ça. Et donc, techniquement, il n'est pas vraiment agressif. Mais si on s'approche et qu'il est de mauvais poil, et il est assez souvent de mauvais poil d'ailleurs, ou s'il y a des bébés à côté, il vous attaquera. Et il fait très mal. Et pareil, dans les anciennes versions, il donnait donc des côtelettes de porc, comme le cochon, donc, et là, il ne donne plus rien. Il donne même plus de... non. Ou s'il donne... enfin, non, je crois qu'il donne plus d'objets ou d'items intéressants, diront. Oui, enfin, à part de l'XP, il ne donne rien. Alors, je vais... est-ce que je vais réussir? Oula. Oh, on l'avait pas su. On a le grizzly, on a l'ours brun. Le grizzly, c'est comme l'ours brun, c'est-à-dire que si on l'approche en plein jour et qu'il a bien mangé, etc., il n'y a aucun problème, il ne nous attaque pas. Je vais juste essayer d'avoir le... je vais vraiment pas aller avoir le blanc. Non, pas le blanc. Les pandas, on peut les apprivoiser. Alors, ça tombe bien, on en a un, là. Les pandas, on peut les apprivoiser. Ça n'a d'autre utilité que d'être joli dans un pré. Hein. Mais bon, c'est sympathique. Ils nous suivent et tout ça. Là, on a un bébé panda. Je veux un... on n'est peut-être pas sur un biome neige. Il faudrait peut-être faire... tu pourrais nous mettre un coin où il y aurait de la neige, le temps que je bute les autres. Mais je suis pas sûr que ça marche comme ça. Je pense que si ça marche par biome... faudrait aller dans le biome neige directement et dans le Nether pour faire pour montrer les deux mobs qu'on bon, a pas vu. De toute façon, c'est la même chose, sauf que c'est tout blanc. Donc c'est un ours, mais tout blanc. Et donc si vous le voyez, ne n'allez pas trop le chatouiller, quoi. J'ai encore plein de cuir de trucs de machin, c'est génial. Hop. Donc on va essayer de faire venir les spectres parce que en espérant qu'ils ne s'envolent pas partout et qu'ils ne brûlent pas tout, surtout pour le spectre de flamme. Alors, on s'est pas mis en hard, donc vraiment que tu je suis toujours en hard. Tu as pas vu l'ogre qui est passé tout à l'heure? Mais non, mais en hard, hard. Ah, on est en hard. Donc voici le spectre. Alors ça, c'est un spectre pas très résistant. Deux coups d'épée en diamant, il meurt. Hop. Le bruit est assez ressemblant. Flippant. Moi je trouve ça flippant. Et le spectre des flammes, voilà, qui prend feu, qui vous brûle aussi. Oh, c'est flippant. C'est vraiment flippant. Après, alors... c'est quoi ça? Ça, c'est le crocodile. Alors, très méchant, le crocodile. Vas-y, même en game mode. Pourquoi c'est moi? Vas-y. C'est mais lui, c'est un petit... je sais pas c'est l'impression un bébé qu'il... tu veux un gros? Voilà, donc il agrippe le personnage et il le lâche plus après. Et il vous emmène... ah, je me suis fait choper. Je me suis fait choper. Ah, ah, même en game mode. Et il vous emmène sous l'eau et il vous noie. Bon, là, évidemment, il a pourquoi pas d'eau. Pourquoi je peux pas le tuer? Je sais pas. M'en fous. Aïe, voilà. Alors, je crois que c'est un des animaux qui est le plus agressif du jeu, si on ne compte pas les créatures genre ogre, etc. C'est vraiment une sale bête, quoi. Donc, il donne du cuir de crocodile. Hein. Tu veux le cuir de crocodile? Non, c'est bon, ils ont vu. D'accord. Donc, ah, alors, super. Ça va être bien. Nos préférés. Alors là, je pense que je vais avoir que du scorpion comme ça. Aïe. Ouais, j'ai que du scorpion comme ça. Donc les scorpions, ils attaquent à vue, donc comme tous les agressifs. Ils donnent du cuir. C'est, alors ça s'appelle la chitine. De la chitine.
Et il voilà. donne également des scorpions sting qui servira a... à faire des épées avec quelques modifications intéressantes. Et donc la chitine, c'est une espèce de cuir, on peut faire des armures très intéressantes. Alors selon le type de scorpion, parce que là on a vu que les oranges, mais il y a des rouges, il y a des bleus qui sont dans le biome neige, et il y a les noirs dans le nether. Et donc là, les rouges très clairs se trouvent un peu partout et les rouges très foncés se trouvent que dans le nether. Les noirs se trouvent dans les caves. Ah, c'est les caves le noir. J'ai inversé entre rouge et les caves. Et donc chaque armure complète aura une spécificité. Les noirs, je crois que c'est pour ralentir sa cible. Ah non, ça c'est l'épée. Pardon, je confonds avec l'épée. Mais on parlera de ça. On verra en détail dans les crafts, parce que c'est très compliqué. Il faut avoir les pièces d'armure. Il y a des crafts très particuliers à faire. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Donc là, on a fait les mobs les moins hostiles, je dois dire. Enfin, disons ceux qui nous embêtent le moins. Et là, ça va être. On va aller au bassin. On va faire le bassin d'abord. Ouais, on va faire le bassin d'abord. Alors allons au bassin. Le mystère de savoir pourquoi il y a une espèce de cube en obsidienne derrière là-bas. Avec des objets bizarres à l'intérieur. Mais pourquoi donc ? On ne voit pas encore les objets bizarres. Si, tu les aurais montré ? Je leur ai montré. Tu triches. Alors, évidemment, je vais commencer par... le requin. Ah, il faut que je le mette à l'intérieur, c'est plus facile. Voilà, donc le requin. Le requin, plusieurs choses à dire sur le requin. Le requin est agressif, donc si vous l'approchez, il va vous attaquer. Il attaque tout ce qui est aussi gros que lui, voire même plus, puisqu'il attaque aussi les chevaux. Et c'est un peu coincé dans la vitre, là, j'ai l'impression. Les gros requins, donc là ça c'est un petit encore, hein. Les gros requins, quand on les tue, peuvent donner un œuf de requin. Et éventuellement, si vous faites éclore l'œuf, il vous donnera un bébé requin qui sera apprivoisé. Donc il attaquera tous les autres, que ce soit personnage, que ce soit créature, etc. Sauf vous. Bon, et sinon la plupart du temps ils donnent les dents de requin. On peut en faire un craft aussi, on expliquera ça dans les crafts. Alors après le requin, alors c'est là où ça va être très compliqué. Je vais essayer d'avoir un piranha. C'est les jaunes, c'est les jaunes. Bah, je crois que c'est ceux-là, hein. Je crois que c'est eux. Non, c'est les toutous jaunes. Non, je crois que c'est les toutous jaunes, les piranhas, mais la plupart du temps, il spawn dans les marais. Là, j'en ai un toutou jaune. Là. Ah oui, effectivement. Il tourne autour de toi. Pourquoi moi ? Je sais pas. Donc, ouais, on a eu un toutou jaune. Donc les piranhas, si vous approchez trop, c'est pareil, ils vous attaquent à vue. Hein, donc ne mettez pas les deux pieds dans un marais sans avoir vérifié qu'il n'y avait pas de poissons dans les alentours. Tu vires un peu tout ça, j'ai d'autres... Vas-y, chope les œufs. Voilà. Alors, évidemment, je tombe sur la Raymanta, c'est pas celle que je veux. Je vais vraiment avoir que celle-là. Sérieux. Je veux une petite raie. Mais non, je veux pas monter dessus. Bon, bah écoute, ça va être embêtant parce que là, du coup, si j'arrive pas à avoir une... Enfin, on montrera plus tard, sinon... Bon, et disons qu'il y a la Raymanta qui a deux espèces de cornes sur le devant. Et il y a une espèce d'autre petit trait avec deux yeux globuleux sur le haut du corps. Qui est toute petite, un peu plus cubique, on va dire. Et qui, elle, empoisonne les personnes. Donc, c'est pas terrible. Surtout qu'elle se cache dans le sable. On voit vraiment que les deux petits yeux qui ressortent. C'est très sadique.
Et voilà, donc ça, peut-être falloir que tu viennes pour les voir hein, plus amplement. Alors, je t'en fais pas plein parce que c'est, il y a plusieurs couleurs, etc. Alors ça, c'est les méduses. Les méduses, donc bah, l'œuf de jellyfish. Oui, le jellyfish. Bah, comme dans la vraie vie, hein, les méduses, elles font très mal. Elles vous empoisonnent dès que vous les approchez. Et alors, c'est très difficile. Par exemple, celle qui est ici, là. Celle qui est au-dessus de moi, elle est bleue avec les tentacules marrons, là. De loin, on les voit, enfin, on les voit très, très alors, peu. Dans une zone marécageuse où il y a de la terre en fond et qui fait un peu bleu, bleu, bleu vert, là, c'est juste impossible de les voir, quoi. C'est très très difficile. Donc, et elle donne des slime balls, comme si on n'en avait pas déjà assez. Et les slime balls, vraiment, vous pourrez faire une collection. Hein. C'est vraiment, il y en aura vraiment pour tout le monde. Je repose. Et on passe au plus intéressant maintenant. Ouais, le plus intéressant. Attends, je dégage mes slime balls et mes trucs de crocodile, là. Pas vraiment besoin. Hop. Voilà, j'arrive. Hop là. Tu veux te mettre où d'ailleurs pour montrer. Je me mets en haut, tu sais quoi. Tu te mouilles pas trop, c'est non, ça. Montre le premier, le tout premier. Alors, le tout premier. L'ogre. Alors, on a fait ce cube en obsidienne avec plein d'autres choses dedans pour voir un petit peu ce que les ogres pouvaient détruire. Parce que on ne sait pas forcément ce qu'ils détruisent. Donc là pour le moment ça ne détruit pas l'obsidienne comme vous pouvez le voir. Ça a détruit la neige et c'était quoi l'autre bloc que t'as mis à côté? Du sable je crois, non? Non c'était pas du peut-être. Sable. Peut-être, ça n'a pas détruit le coffre du néant. Oui bah ça c'était à prévoir. Donc là encore un peu là. Oui alors les coffres et tout le reste, par contre j'ai l'impression que les portes ont bien tenu. Les portes sont magnifiques dis donc. Même les portes en bois. Oui, alors comme vous pouvez le constater, même les... Alors la balise n'est pas été détruite, l'enclume non plus, le coffre du néant, tous les blocs de minerai ne peuvent pas être détruits, ce qui peut être assez intéressant. Voilà. Donc on va retenter. Retente les portes là, bien devant les portes là. Essaye de viens là, toi. Allez, vas-y, tape-le. Non, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que les portes. Donc les portes aussi. Le four tient, ce qui est assez étrange vu qu'il casse de la pierre. Oui, l'enclume bah tient aussi. Bah d'un autre côté, c'est un minerai. C'est que du fer, c'est des blocs de fer. Ouais, donc. Bon. Et donc l'ogre laisse tomber de l'obsidienne. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi un bloc qu'il ne peut pas casser. Ensuite, nous avons. Alors, on a l'ogre de feu. Attends, j'ai jamais vu d'ogre de feu, alors je fais mon petit tour aussi. Mais arrête de tourner. Ah. Oui, il n'est pas vraiment dans son élément, alors forcément, il n'aime pas trop rester. Donc ça ne me posera pas spécialement de problème à tuer. Voilà. Et donc, normalement, il laisse tomber, pareil, des flammes. Du feu, ouais, c'est le feu. C'est le feu en lui-même, en fait, qui laisse tomber. Et le dernier? Le tout dernier, c'est l'ogre de cave, donc il est tout bleu. C'est des ogres très très rares qui spawnent dans les cavernes et qui laissent tomber, si tu arrives à en remettre un. Ça, je vais essayer. Qui laisse tomber, normalement, du diamant. Ah, d'accord. Donc, oui. Très intéressant, mais il a beaucoup plus de points de vie que les ogres normaux. Ah, non. Voilà. Hop, ça un petit diamant. Et donc, comme pour les autres ogres, il ne casse donc pas les portes, les barrières en fer, le four, la balise, l'enclume et tout ce qui est coffre du néant, vu que c'est fait d'obsidienne, et les 5 minerais, les 5 blocs de minerais. Par contre, tout le reste a été balayé. Quoi. Voilà.
En gros, si vous voulez jouer à mot créature, faites une maison en obsidienne. Ou en bloc. Alors, le plus rentable, je pense que ça doit être le bloc de lapis-lazuli. Hein. On en trouve partout, on ne sait pas trop quoi en faire, mais voilà. Parce qu'en bloc de diamant ou en bloc d'émeraude, ça va coûter cher quand même. La très maison. Très cher. Moi, je veux bien, mais ça fait. Ou alors, il faut que tu fasses une maison entièrement en porte. Tu fais que des portes. Ou en barrière. Ou en foie. Ça peut être utile, mais tu peux plus faire clic droit dans ta maison sans à chaque fois tomber sur un four. Ah, tu peux pas mettre de tableau, ça c'est sûr. Hein, mais t'es tranquille. Enfin, à part dans la nouvelle version de Minecraft qui va bientôt sortir, où tu pourras poser des choses sur tes coffres et ta table de craft et tes fours en restant appuyé sur la touche sneak et en faisant clic droit. C'est dans la snapshot qui est sortie pas très longtemps. J'ai fait le L-Rat. Non, j'ai pas fait le L-Rat. J'ai pas fait le L-Rat. Je me disais bien qu'il m'en manquait un en fait. Pourquoi j'ai oublié le L-Rat d'ailleurs? Bon, bref. Bon, bah la dernière surprise du coup. C'est le petit dernier. Bon, que je mette bien le même parce que si je mets. Ouais, voilà. Si je mets un Fire Hog ici, on va pas être. Voilà. Le rat que l'on trouve. Que dans le Nether également. Donc il lâche de la redstone ou du feu, pareil. Donc voilà, donc si vous jouez en facile, vous pouvez régler dans les options qu'on verra plus tard que les ogres ne spawnent que à partir du mode normal. Du coup, si vous avez besoin de faire certains crafts, il faudra aller dans le Nether tuer du L-Rat pour récupérer son feu. Voilà, donc les crafts que nous aurons besoin, notamment pour faire les élevages de tous les chevaux un peu spéciaux qu'il y a dans le mode. Donc je vous conseille d'éliminer de l'obsidienne, de vous faire un portail et d'aller tuer du L-Rat. Voilà. Bon bah écoutez, c'est fini. On passera sur le récapitulatif dans la prochaine vidéo de tout ce que donnent les mobs et les animaux et les créatures. Comme ça vous n'aurez pas besoin de chercher un peu partout. Et puis ben on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine.